Le H3 permet bien sûr de contrôler l'éclairage, permet aussi de mesurer la consommation électrique et de rapporter les pannes. En plus de ça, le H3 permet aussi, par exemple, pour les services d'urgence, d'identifier d'où viendrait un appel 911, donc en faisant clignoter les luminaires en face du bâtiment, ou d'identifier une zone d'évacuation si jamais il y avait une fuite de gaz ou un tireur fou. Donc les gens pourraient être informés d'évacuer la zone où les lumières clignotent. Un autre avantage est au niveau du réseau de communication, où on peut brancher plusieurs autres senseurs, par exemple des senseurs de niveau d'égout, senseurs de niveau d'eau, senseurs d'occupation de cases de stationnement, et un paquet d'autres senseurs qu'on va voir apparaître dans le futur qu'on ne connaît même pas aujourd'hui.